C'est une opération destinée à tisser un fragile dialogue entre les belligérants au Yémen. Un avion affrété par les Nations Unies doit évacuer une cinquantaine de blessés houthis de la capitale Sanaa vers le sultanat d'Oman ce lundi. L'organisation dit vouloir établir un climat de confiance en amont des pourparlers de paix qui devraient débuter dans les prochains jours entre l'exécutif yéménite appuyé par Riyad et les houthis soutenus par l'Iran et qui contrôlent une large partie du nord du pays. Le sort de ces blessés avait été l'une des pierres d'achoppement des négociations qui avaient échoué en septembre à Genève pour espérer mettre un terme à 3 ans de conflit.